suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Tous ensemble. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses voies, sans que rien... Et à nouveau, on peut lancer le PowerPoint. Ce dimanche, je viens en tant que représentant du CEL Projet. Et normalement, ça va apparaître, notre logo. CEL Projet, service d'entraide et liaison. Je vais vous présenter cette association, mais aussi avant, vous parler de justice sociale. Or, associer la foi, notre spiritualité, à la justice sociale, de manière assez surprenante, n'apparaît pas comme une évidence. Nous avons tendance dans nos milieux, même si historiquement nous avons toujours été intéressés par le sort des plus pauvres, nous avons tendance à considérer que notre action, notre fidélité à Dieu se mesure à d'autres endroits. L'évangélisation, l'éthique, l'engagement au sein de l'Église locale sont des thèmes appréciés de nos milieux et loin de moi d'aller dire qu'ils n'ont pas d'importance, qu'ils n'ont pas de lien avec notre spiritualité. Mais associer notre spiritualité et la justice sociale, c'est plutôt rare. Dans ce cadre, le prophète Jérémie est très apprécié par les chrétiens piétistes que nous sommes. Il est l'exemple même du fidèle persécuté à cause de sa foi et qui tient ferme malgré sa douleur. Rien que ce chapitre-là, on pourrait en parler jusqu'à ce soir. De Jérémie, persécuté, souffrant, mais tenant ferme dans sa fidélité à Dieu. Il prêche la conversion et dénonce les illusions et l'idolâtrie du salut qui viendrait de la richesse ou de la puissance. Il appelle à la conversion, il appelle au retour à Dieu, il annonce la nouvelle alliance, une alliance où la loi de Dieu sera gravée dans le cœur de chacun. Plus une alliance extérieure et formelle, mais une alliance gravée sur le cœur de chacun. Bref, Jérémie entre parfaitement en résonance avec notre époque par son côté interpellant et individualiste, mais aussi avec la philosophie évangélique en liant foi et vie, conviction et action. Et il plaît à cause de cela. Jérémie est certainement mon prophète préféré car il apparaît très humain, proche de moi. Et le livre des Lamentations de Jérémie est celui sur lequel je reviens régulièrement. Ce que je vous invite cependant à découvrir ce matin, c'est un aspect trop souvent ignoré de Jérémie. Ce prophète de l'intériorité, comme le surnomme le professeur Alain Isus, est aussi un ardent défenseur de la justice sociale, comme le seront les réformateurs après lui. Et cela est appelé à avoir un impact sur notre perception des conséquences de la vie avec Christ. Je prendrai donc une péricope du chapitre 22 de Jérémie comme base de notre réflexion. Jérémie 22, les versets 13 à 19, et je vais lire dans la version de la Nouvelle Bible Second. Vous verrez qu'à un moment, j'évoquerai aussi d'autres traductions. Quel malheur pour celui qui bâtit sa maison aux dépens de la justice et ses chambres à l'étage aux dépens de l'équité, qui fait travailler son prochain pour rien, sans lui donner sa paye, qui dit « Je bâtirai pour moi une maison de vaste dimension, avec des chambres spacieuses à l'étage, et qui fait percer des fenêtres, la lambrisse de cèdre et l'enduit de couleur rouge. Es-tu roi ?» parce que tu as la passion du cèdre. Ton père ne mangeait-il pas? Ne buvait-il pas? Mais il agissait selon l'équité et la justice. Alors, tout allait bien pour lui. Il jugeait la cause du pauvre et du déshérité. Alors, tout allait bien. N'est-ce pas cela me connaître, déclaration du Seigneur? Mais tu n'as des yeux et un cœur que pour ton intérêt, pour répandre le sang de l'innocent, pour exercer oppression et brutalité.
À cause de cela, voici ce que dit le Seigneur contre Joachim, fils de Josias, roi de Juda. On ne fera pas pour lui la lamentation « Quel malheur, mon frère, quel malheur, ma sœur !» On ne fera pas pour lui la lamentation « Quel malheur, Seigneur, quel malheur, Majesté !» Il aura la sépulture d'un âne. Il sera traîné et jeté hors des portes de Jérusalem. Et versets 13 et 14 nous apprennent qu'un personnage, dont on découvrira au verset 18 qu'il est le roi, se fait bâtir une belle maison. Rien de répréhensible a priori. Jamais la Bible ne va reprocher à quelqu'un d'être riche et de faire usage de cette richesse. Cela est même plutôt vu comme une bénédiction de Dieu, particulièrement dans l'Ancien Testament. Voyez Abraham, voyez Salomon, voyez Job. Pourtant, Jérémie fait des reproches très précis au roi, parce que cette construction est entreprise aux dépens de la justice et de l'équité, du droit. Le deuxième livre des rois, au chapitre 22, nous apprend en effet que ces travaux sont menés alors que le roi vient d'imposer une lourde taxation à son peuple. Lourde taxation qui servait à quoi ? Payer un tribut à l'Égypte pour que l'Égypte protège Israël en cas d'invasion ennemie et donc que l'Égypte, grand empire de l'époque, assure une protection à Israël. Mais voilà, les caisses sont vides. Et moi, je suis roi quand même. Et moi, pour que l'Égypte vous protège, il faut que j'assume mon statut de roi, il faut que je puisse recevoir le pharaon chez moi. Enfin, donc vous allez construire mon palais, pour rien. Bosser gratuitement. C'est alors que le prophète Jérémie intervient, en reprochant au roi de bafouer le droit et la justice. Ce qui équivaut à démontrer que ce roi ne connaît pas Dieu pour deux raisons. L'attitude du roi ne respecte pas l'équité et la justice, mishpat et tzedaka. Ce sont deux termes hébreux qui sont régulièrement associés dans la Bible. Ils traduisent l'idée d'une action juste, conforme à la norme. Un juif pouvait ainsi parler de la tzedaka, de la justice de sa pomme. Je ne sais pas si la dernière fois que vous avez mangé une pomme, vous vous êtes dit « elle est juste ». Une pomme est juste si elle a la couleur d'une pomme, le goût d'une pomme, le jus d'une pomme. Si votre pomme est mauve fluo, qu'elle brille la nuit, qu'il y a un petit verre qui sort pour vous faire coucou, et qu'elle goûte l'abricot, méfiez-vous, elle n'est pas juste. Une pomme est juste si elle est une pomme. Donc, un homme est juste si il est un homme, c'est-à-dire s'il témoigne de l'image de Dieu à laquelle il a été créé. Voilà ce qu'est un homme juste. C'est un homme qui vit en image de Dieu, qui vit selon le projet créationnel. Ces termes décrivent la rectitude du comportement, la droiture, l'équité, et donc on dépasse largement notre concept naturel de justice. Et ils le font d'une manière réelle, concrète. L'exemple en est donné dans notre texte par Josias, le père du roi Joachim, qui agissait selon le droit et la justice. Au verset 16, il nous est dit que Josias jugeait le pauvre et l'humilié, ce qui signifie qu'il défendait leur cause, qu'il faisait valoir leurs droits, qu'il leur rendait justice. Le roi juste, le roi qui règne avec Mishpat et Tzedaka à l'image du Messie à venir annoncé par Jérémie, ce roi juste, ce roi-là, ne bafoue pas le droit des pauvres. Et on a ici une construction hébraïque tout à fait classique, où la même idée est reprise deux fois en termes différents dans le même texte, mais pour montrer que ce sont des synonymes. Jérémie fait ici clairement ressortir que agir selon l'équité et la justice, c'est défendre la cause du pauvre. Pauvre qui est présenté en deux termes, Ani et Eveyon, il signifie le pauvre, le nécessiteux, l'humilié, l'opprimé, celui qui est dans la détresse, le démuni, tant au niveau matériel que spirituel. Et il est à noter que lorsque Jérémie prend Josias comme exemple, il mentionne que ce roi mangeait et buvait. Pour agir selon la justice et l'équité, Josias n'est pas devenu un ascète. Il ne s'est pas privé de tout. Et pour interpeller Joachim, ce n'est pas l'exemple d'un pauvre traînant dans la rue que le prophète va chercher et lui dit « Regarde ton père, il était roi, il mangeait comme un roi, il vivait comme un roi, il buvait comme un roi. » Mais lui agissait selon la justice et l'équité.
Il n'a pas oublié le pauvre. Il a agi en sa faveur. Il n'a pas versé dans l'excès. La richesse n'est jamais dénoncée comme un mal, mais l'usage que nous en faisons, lui, exprime que nous agissons ou non à l'image de Dieu, que nous sommes ou non justes, que nous connaissons Dieu ou que nous ne le connaissons pas. C'est pourquoi au verset 16, en parlant de Josias qui agit selon l'équité et la justice, qui respectait et défendait le pauvre et le déshérité, le prophète dit « Astov ». Alors je sais qu'ici dans l'église, nous avons plusieurs personnes qui sont au moins bilingues, et je suis certain que vous avez tous rencontré ce problème entre deux langues. Vous avez une expression qui, dans cette langue-là, dit très bien ce qu'elle veut dire, et que si vous voulez la traduire en français, ça c'est la langue que tout le monde partage, vous dites « alors là je dois écrire un bouquin ou au moins un paragraphe parce qu'il faut expliquer, mais j'y arriverai pas ». On est avec ce genre d'expression ici avec Astov, d'où les variantes dans la traduction. Alors c'était bien, alors tout allait bien, alors c'était le bonheur. Astov, tout était à sa place, tout était comme il devait être, tout était juste, tout était bon, et donc tout le monde se sentait à sa place, juste, bien. Voilà, on pourrait encore en ajouter. Une expression difficilement traduisible, mais qui souligne la bénédiction de Dieu et le fait que tout allez bien ensemble. Face à l'égoïsme dont fait preuve Joachim, égoïsme qui se masque sous une nécessité d'asseoir son règne face aux autres rois, parce que ne nous leurrons pas. Si je demande qui est égoïste ici, personne ne va lever la main. C'est pas politiquement correct, il dit si, moi je suis un sale égoïste, je pense qu'à moi. D'ailleurs, vous connaissez la définition de l'égoïste, hein ? C'est quelqu'un qui pense pas à moi. Ça, c'est un égoïste, non. Et lui, qu'est-ce qu'il dit ? Mais non ! C'est pas pour moi, c'est parce que j'ai besoin d'asseoir mon règne pour pouvoir vous protéger, j'ai besoin de pouvoir jouer dans la cour des rois, pour pouvoir vraiment jouer mon rôle vis-à-vis du peuple d'Israël. Donc c'est pour ça que je vous fais construire le palais pour rien. Il y a beaucoup de politiques qui ont bien compris cette leçon-là et qui l'appliquent à la lettre aujourd'hui. Nous justifions toujours notre égoïsme, nous avons toujours de bonnes raisons pour le justifier. Or face à cet égoïsme, Jérémie va intervenir et va interpeller ce roi. Jérémie lui affirme que le bonheur ne consiste pas en la recherche du bien-être personnel, en la recherche du prestige, de la gloire, au détriment du bien du prochain et en oubliant la pratique de l'équité et de la justice. Le bonheur, c'est la bénédiction que Dieu donne à celui qui obéit à ses exigences, en particulier en matière d'éthique sociale. Et toujours selon le verset 16, c'est cela connaître Dieu. Connaître Dieu, c'est rendre justice aux pauvres. Alors si en débutant, j'avais demandé « C'est quoi pour vous connaître Dieu ?» Je ne sais pas combien d'entre nous auraient sorti cette phrase-là. Combien d'entre nous se seraient dit « Mais ça fait partie de la connaissance de Dieu, ça. Connaître Dieu, c'est aussi rendre justice aux pauvres. » Bien sûr qu'il y a d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte, mais ça en fait partie. Cette affirmation permet de bien situer l'enjeu théologique de l'intervention de Jérémie dans les affaires politiques, économiques et sociales. La recherche du bien et de l'équité, le respect des droits des pauvres, des faibles, des démunis, des exclus, ne sont pas des préoccupations uniquement humanistes, mais elles sont théologiquement motivées. Autrement dit, nous ne devons pas nous en préoccuper simplement parce que nous faisons partie de la grande famille humaine, mais aussi et avant tout, parce que nous sommes chrétiens. Cette action sociale découle de notre conversion, de notre justification et de notre sanctification. Nous nous convertissons parce que nous rencontrons Dieu, parce que nous apprenons à le connaître. Notre justification, c'est Dieu qui nous dit « Tu es juste ». Et notre sanctification, je vis en tant que juste, je vis comme un juge, je manifeste par ma vie que cette justice que j'ai reçue de Dieu, elle a des conséquences. Elle change ma manière d'être. Se soucier du pauvre est une priorité fondamentale du christianisme. Et l'histoire, malgré ses errements et ses soubresauts, le démontre, l'aide sociale est la plus développée dans les pays qui ont un arrière-plan chrétien. Le souci du pauvre est donc constitutif de la connaissance du Seigneur. On ne peut pas prétendre connaître Dieu et ne pas se soucier de justice sociale. Ou, selon les termes de l'apôtre Jacques, «
Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas, quand tu n'aimes pas ton frère que tu vois ? Mais Jérémie ne sépare jamais cet aspect de la connaissance de Dieu, des exigences de fidélité cultuelle et d'une relation filiale avec Dieu. Connaître Dieu a donc une dimension spirituelle, une dimension cognitive de connaissance, intellect, une dimension relationnelle et une dimension pratique. Connaître Dieu a une dimension spirituelle. Il faut être fidèle au Dieu de l'Alliance, d'où la dénonciation de l'idolâtrie chez Jérémie. Connaître Dieu a une dimension cognitive. Il ne suffit pas de dire « moi je connais Dieu ». La question qui vient tout de suite chez moi c'est « oui mais lequel ?» C'est qui ton Dieu ? Quelles sont ses qualités ? Quelles sont ses attitudes ? Comment est-ce qu'il agit ? Le Dieu que je connais, c'est le Dieu de Jésus-Christ, c'est le Dieu révélé dans la Bible. Pour ça, je dois apprendre à le connaître. Pour ça, il y a un effort intellect à faire. Il y a un effort d'étude, de connaissance. Être informé de l'œuvre historique accomplie par Dieu et des exigences de son alliance. Connaître Dieu a une dimension relationnelle. Connaître Dieu comme Père. Jérémie apporte ça et c'est assez révolutionnaire à son époque. À son époque, Dieu, c'est l'Éternel des armées, c'est le Tout-Puissant, c'est Adonai, c'est El Shaddai. Et Jérémie en parle comme son Père. Ce qui, pour les Juifs de son époque, pourrait presque paraître un manque de respect. Or, ce que Jérémie veut faire sortir, c'est que c'est quelqu'un avec qui je peux être en relation, à qui je m'adresse avec beaucoup de respect, comme vis-à-vis de mon père, mais à qui je peux parler et qui me répond. Connaître Dieu a une dimension pratique, obéir aux exigences de l'alliance de Dieu envers la communauté, d'où l'importance accordée aux prescriptions éthiques concernant la vie quotidienne et sociale, l'intervention en faveur des plus démunis. Connaître Dieu, c'est reconnaître ses revendications sur l'ensemble des domaines de la vie de son peuple et de sa création. C'est reconnaître sa seigneurie universelle. Il n'y a pas de séparation chez le chrétien entre d'un côté la piété et l'éthique, entre la pratique de la justice sociale et la pratique du culte, entre l'orthodoxie, la manière juste de penser, et l'orthopraxie, la manière juste d'agir. La piété authentique passe aussi par la justice sociale. Il n'y a pas de disjonction chez le chrétien entre d'un côté quelque chose qui serait uniquement profane et de l'autre quelque chose qui serait uniquement spirituel ou religieux. Avoir la foi, c'est suivre les prescriptions de Dieu dans tous les domaines de ma vie. C'est pas dire, ah non, non, il y a une zone où ça c'est moi, de toute manière ça c'est du profane. Je ne regarde pas ça Dieu. Moi Dieu, j'ouvre la porte à 8h, ouais je suis peut-être pas levé, à 9h le dimanche matin, et à 13h30 je la referme, puis c'est bien non ? Non ? Là Jérémie, il dit ça c'est inconcevable. Si vous savez qui est Dieu, alors ça change toute votre vie, ça touche tous les domaines de votre vie. N'est-il pas le Seigneur de l'univers ? Et donc le fondement de la justice sociale se trouve pour le chrétien dans le caractère même de Dieu, qui agit sur terre avec mishpat et tzedaka, avec justice et équité. Et puisque ce fondement est en Dieu, il est inébranlable. Il ne devra pas varier en fonction des époques, de la situation, des politiques ou de quoi que ce soit d'autre. Dieu nous demande d'être ses enfants, de tendre à lui ressembler, que l'on puisse dire de nous, tel père, tel fils. En pratiquant le droit et la justice, en faisant triompher la cause de l'humilié et du pauvre, à l'image de Josias, le chrétien démontre qu'il connaît Dieu. Ah ben, c'était bien aujourd'hui le culte, hein ? On nous a parlé d'un roi qui a vécu il y a plus de 2500 ans, qui n'était pas trop fidèle à Dieu, d'un prophète qui est revenu le remettre à sa place. Intéressant. Mais ça change quoi pour nous ? Demain matin, quand je vais au boulot ? Oh, pour moi, rien. Je ne suis pas roi, je ne suis pas riche. Donc, ouais, voilà, on m'a raconté une belle histoire, mais je serai allé au cinéma voir un film, finalement. Celui-là doit se souvenir que l'apôtre Pierre nous dit que nous sommes un peuple de rois. C'est-à-dire que toutes les prérogatives du roi, ce que le roi avait comme rôle à jouer dans l'ancienne alliance, nous avons à le jouer, nous, aujourd'hui. Je ne vous demande pas, en sortant, de dire « j'ai un petit royaume, je vais aller le trouver, régner dessus, et envahir l'île d'Outremeuse en disant « maintenant, c'est moi le roi là ». Non, non, ce n'est pas ça. Je suis roi, ça veut dire que les prérogatives du roi, les droits et les devoirs du roi de l'ancienne alliance, je les ai aussi aujourd'hui en tant que chrétien. Or,
un des rôles essentiels du roi, c'était de manifester la justice et l'équité de Dieu. En tant que chrétiens, nous avons cette responsabilité-là. Et puis celui qui dit « je ne suis pas riche » peut se souvenir que, on en reparlera, au classement mondial, la Belgique est 17e sur 175 pays pour le revenu moyen brut par habitant. Ce qui est pas mal, on y reviendra. Nous faisons partie des 3% des gens les plus riches au monde, même si nous sommes pauvres, même si nous sommes en dessous de cette moyenne. Ça laisse beaucoup de place derrière nous, en sachant qu'à partir de la 50e place dans ce classement, et on parle de revenu brut là, le revenu brut de ces gens-là, moyen dans le pays, à la 50e place, est inférieur au revenu net que vous recevez si, en Belgique, vous bénéficiez de l'allocation la plus basse qui soit, qui est celle du revenu d'insertion sociale. Mais comment faire concrètement aujourd'hui pour pratiquer l'équité et la justice? Alors, je suis là pour vous indiquer une piste possible, et j'ai dit une piste, il y en a bien d'autres, celle de s'engager avec le SEL Projet. Le SEL Projet, nous sommes une ASBL fondée en 1988, association chrétienne qui lutte contre l'extrême pauvreté en partenariat avec des partenaires locaux chrétiens, et ce, dans plus de 25 pays, même si nous nous concentrons essentiellement sur l'Afrique francophone. Donc, association chrétienne qui lutte contre l'extrême pauvreté dans 4 pays. Nous ne travaillons qu'avec des partenaires locaux chrétiens. Notre spécificité, c'est que nous n'envoyons personne. Nous travaillons au développement avec les gens du pays. Ce sont eux qui nous soumettent leurs projets. Nous évaluons les projets. Nous voyons si ces projets tiennent la route, s'ils peuvent être concrétisés. Nous allons accompagner le projet tout au long du projet pour qu'il se réalise. Mais ce sont eux qui vont réaliser le travail. Nous allons éventuellement le financer. Ce qui permet d'être non pas dans une relation d'assistanat, je suis assisté, c'est les autres qui viennent, ils font le boulot, et puis quand c'est fait, j'en profite un certain temps, mais de vraiment se mettre dans une dynamique où je suis moi-même un élément qui va me sortir de la misère. Je vais y participer. 4 pays, j'ai dit. Le premier pays, c'est facile, il est bien classé, puisqu'il est dernier, sur 175, le Burundi. Le revenu moyen brut au Burundi est de 19,75 € par mois. Alors vous allez discuter avec Bonne Marie après le culte, et vous saurez qu'à Bujumbura, on voit des voitures assez bien, on voit des villas assez bien aussi, ces gens-là rentrent dans la moyenne. Donc vous imaginez le nombre de pauvres qui gagnent rien qu'il faut pour que la moyenne soit à 19,75 € brut. Je vous parlerai de la moyenne belge après. Madagascar, nettement mieux classé, 171e, le Burkina Faso, 163e, et l'Inde, 135e. Ce sont les 4 pays dans lesquels nous travaillons essentiellement. Avec, comme référence, le revenu moyen brut, j'insiste sur le brut parce que souvent on me dit « mais je ne gagne pas ça », ben non, ça c'est votre net, c'est autre chose que votre brut, en Belgique est de 3 000 €. On est 17e. Alors oui, vous êtes peut-être en dessous de cette moyenne, ou vous êtes peut-être au-dessus, c'est une moyenne, c'est un point de référence. Et ça colle les moyennes, ce que ça a de particulier, c'est qu'il n'y a personne qui est jamais sur la moyenne. On est toujours un peu au-dessus, un peu en dessous, beaucoup en dessous. Moi, j'aime bien, c'est les points de référence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un riche en Belgique est 150 fois plus riche qu'un riche au Burundi. Qu'un pauvre en Belgique est 150 fois plus riche qu'un pauvre au Burundi. Aussi. Et l'Inde, vous voyez qu'on est à 25 fois. On a un rapport de 1 à 25. Voilà donc les pays où nous travaillons. Juste vous faire réfléchir. Myria. Elle habite Madagascar, elle habite au nord de la capitale, dans un quartier populaire pauvre. Elle vit dans une case de 4 mètres sur 4, où les murs sont faits en terre, avec un toit en torchis. Elle y vit avec son père, sa mère, son frère et sa sœur. Son père ne supporte pas leur misère. Il gagne 12 à 15 euros par mois, et il boit tout son salaire. Sa maman travaille aussi, elle gagne une 20aine d'euros par mois. Le loyer et de 4 € pour leur case. Il reste donc 16 € dans les bons mois pour la maman. Un repas pour nourrir toute la famille, charbon de bois, le riz, quelques légumes, mais souvent les quelques légumes, ce sont des épinards sauvages qu'on a arrachés sur le bord du chemin, et les jours d'abondance de la viande, ça coûte 1 €. Donc vous calculez, il y a 16 € pour faire le mois. Mais on mange 1 jour sur 2, on ne s'habille pas, on ne va pas chez le médecin, et quand la maman témoigne, et qu'on lui demandait « qu'est-ce que vous faites quand les enfants sont malades ?» Je les câline beaucoup et j'espère que ça va passer.
Sanchev est un petit garçon indien. Les Madouars, qui sont une population qui vivait avant dans la brousse, dans des habitations en hauteur, parce qu'ils vivaient dans une région où il y avait les éléphants, donc ils habitent dans les arbres pour ne pas se faire écraser par les éléphants. Et ils sont très pauvres, ils viennent vers la capitale, ils viennent vers les grandes villes, et là ils n'ont rien. Et donc Sanchev, lui, il récolte du plastique et des métaux sur les tas d'ordures qu'on lui rachète à la tonne. Quand je dis qu'on lui rachète à la tonne, on ne lui rachète pas des milliers d'euros la tonne, hein, c'est loin de là. Et vous imaginez que vous devez stocker des bouteilles en plastique, etc., dans le fond de votre jardin, et que quand il y en a une tonne, vous pouvez les vendre. Vous imaginez ce que ça donnerait dans votre jardin ou dans votre appartement. Mais lui, c'est son lieu de vie, il vit dessus. Et puis vous connaissez tous l'histoire de ces enfants congolais qui creusent des mines qui ne sont pas étayées pour aller chercher du coltan et d'autres métaux rares pour toutes nos nouvelles technologies. Comment réagissons-nous face à cela? On peut réagir par la culpabilité, de l'impuissance, c'est souvent mon cas, je me dis, qu'est-ce que je peux faire pour eux? Si je ne mange pas aujourd'hui, ce n'est pas pour ça qu'eux vont manger. Comment est-ce que je peux agir? De l'indifférence, vous avez vu hier qu'il y avait encore un grand rassemblement de l'extrême droite en Italie, avec nous d'abord, les autres, après on verra ce qu'il en reste. Ça c'est l'attitude de Joachim, hein, moi d'abord. Mais quand on dit moi d'abord, en général il n'en reste pas après. Hein. Ou de la désolation. Le CEL Projet vous propose 4 axes d'action que je vais détailler maintenant. Premier axe, les secours d'urgence. Nous intervenons quand il y a une catastrophe, quelle que soit la collaboration, la catastrophe. Et nous intervenons via une plateforme internationale qui s'appelle Intégrale, où nous nous retrouvons avec plus de 20 organisations comme la nôtre, qui travaillent tous avec des partenaires locaux. C'est-à-dire que la dernière catastrophe où nous sommes intervenus, c'était en Indonésie, le tsunami. Et nous avons contacté tous nos partenaires via la plateforme Intégrale en disant « Est-ce que quelqu'un a déjà un partenaire sur place ?» Oui, il y en a qui avaient, MEDER, je pense, qui avait un partenaire sur place, qui pouvait intervenir tout de suite. De quoi est-ce qu'il a besoin? Ben, il a besoin d'argent, souvent, pour pouvoir être plus efficace tout de suite. Et donc, via le CEL, nous avons fait un appel pour recevoir des dons. L'argent a tout de suite été transféré, dès que nous recevions les dons. Et notre partenaire, donc via cette plateforme, a été le premier sur place à distribuer des kits d'eau, des kits de survie, couverture, etc., et à monter des logements temporaires pour permettre aux gens d'être aidés. Quand je dis que nous travaillons toujours avec des associations chrétiennes, c'est vrai, notre partenaire est chrétien, mais par exemple, là, vous êtes en Indonésie, le plus grand pays musulman du monde, et plus de 80% des gens qui ont été aidés sont des musulmans, dans ce cas-là. Le soutien alimentaire, qui est notre deuxième axe d'action. Il faut savoir qu'en Afrique subsaharienne, 23 millions d'enfants souffrent encore de la faim quand ils vont à l'école. 31% qui ont un retard de croissance pour les moins de 5 ans. Un enfant sur 6 qui souffre d'insuffisance pondérale. Alors quand on vous donne des chiffres comme ça, je trouve souvent que les chiffres c'est beau, mais finalement ça ne dit rien. Alors je suppose que vous savez tous compter jusque 10. On prend le temps 10 secondes. 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10, il y a 3 morts. Il y a 3 personnes mortes dans la salle. C'est ça, la malnutrition. C'est 3 morts toutes les 10 secondes. C'est un enfant toutes les 5 secondes. Ce que nous faisons, ce sont des cantines scolaires où si l'enfant vient à l'école, il a son repas gratuit. Comme il a à manger, il ne va plus en rue pour chercher à manger. Il vient à l'école, il obtient un diplôme. Ça élève toute sa communauté, parce qu'il peut avoir accès à d'autres emplois, etc. Ça coûte une fortune pour nourrir un enfant. 18 euros par mois. Je ne sais pas qui ici pourrait nourrir son enfant sur un mois à 18 euros. Là, c'est possible dans ces pays-là. En plus, c'est déductible fiscalement. Donc à la fin, ça ne vous coûte qu'une dizaine d'euros. On assure un repas par jour à l'enfant. On assure une éducation nutritionnelle et sanitaire aux parents, qui souvent ne sont pas éduqués, ne savent pas comment préparer un repas équilibré qui sera bon pour l'enfant. Parce que parfois, on a des enfants qui souffrent de malnutrition alors qu'ils ont à manger. Mais le lundi, c'est du riz. Le mardi, c'est du riz. Le mercredi, c'est du riz. Le jeudi, c'est du riz. Et le dimanche, c'est la fête, on a droit à du riz, au riz. Et donc, évidemment, il manque de nutriments, il manque d'équilibre, et
l'enfance ou de malnutrition. Donc on va éduquer les parents à ce niveau-là. On va aussi leur donner du travail, puisque ceux qui vont servir dans les cantines, certains des cuisiniers, ce sont des parents des enfants qui bénéficient de la cantine. À Madagascar, on a une cantine, on a plusieurs potagers. Les potagers sont prêtés aux parents. On leur dit, vous cultivez, les légumes, c'est pour la cantine, mais s'il y en a trop, c'est pour vous. Et on sort d'une logique d'assister. Si ce n'est pas simplement c'est d'autres qui m'aident et qui nourrissent mon gamin, oui, mais moi j'y participe, moi aussi je fais des efforts pour ça. Et on sort, on aide la communauté à avancer. On a 10 cantines scolaires à travers le monde. On touche un peu plus d'un millier d'enfants. On en a 7 à Madagascar, on en a au Burkina Faso et au Burundi. Les projets de développement. Alors là, quand on parle développement, ça parle à plusieurs. Nous avons des projets santé, des projets éducation, des projets eau et des projets agronomiques. Il faut savoir que 80% des gens qui ont faim à travers le monde aujourd'hui sont des agriculteurs. Ce sont des gens qui sont censés nous nourrir et pourtant ils cultivent tellement peu qu'eux, ils meurent de faim. L'idée ici, c'est d'avoir des partenaires qui donnent chaque mois ou de façon ponctuelle un don défini pour rendre nos projets, pour que le jour où nous nous disons nous allons réaliser par exemple un forage pour avoir un puits avec de l'eau saine quelque part, on ne doive pas se dire maintenant un forage c'est entre 6 et 8 000 euros suivant l'endroit où c'est, on doit récolter 6 à 8 000 euros, mais si on a des partenaires qui ont donné régulièrement chaque mois, les 6 000 euros on les a et on y va, on lance le forage. Je vous présente rapidement ces grains de sel. Grain de sel santé. Vous voyez cette dame qui est entourée là, mariée à 17 ans au Burkina Faso, ce qui est tout à fait normal, son mari avait 17 ans aussi. Pas d'enfant après 2 ans, pas d'enfant après 5 ans. Ils sont allés chez le féticheur, ils ont dépensé tout ce qu'ils avaient en chèvres, poulets et compagnie à sacrifier pour des rites fétichistes pour avoir un enfant et toujours pas. Ils sont invités à un culte de Noël par une amie d'un autre village. Ils viennent au culte de Noël, sont interpellés, ils restent dans l'église, ils se convertissent, et après 2 ans dans l'église, ils viennent trouver le pasteur en disant « Écoute, on a 27 ans tous les deux là, on n'a pas d'enfants, c'est une honte dans notre village, dans notre tradition. Qu'est-ce que tu peux faire ?» Le pasteur leur a dit « Je peux prier pour vous, mais surtout ce que je peux faire, c'est vous envoyer au centre de santé de Piela, que nous avons aidé à construire, pour voir s'il n'y a pas quelque chose à faire pour vous. » Elle est allée au centre de santé, elle a reçu un traitement, elle a aujourd'hui 2 enfants, elle est rayonnante, elle est heureuse pour cela, elle en a parlé à une de ses amies qui avait le même problème, qui est allée au centre de santé de Piela, qui a aussi des enfants, et ça fait tache d'huile. En Inde, on va beaucoup travailler avec des cliniques oculaires, donc au niveau de la vue, parce qu'il y a beaucoup de problèmes de cataracte, problèmes de vue. Imaginez que vous perdez la vue ici, dans vos conditions de vie, c'est pas marrant, mais alors vous les perdez et vous êtes dans l'extrême pauvreté. Mais c'est encore moins marrant, je peux vous l'assurer. Après le grain de sel santé, le grain de sel éduque. Quand on parle éducation, on pense enfant. Vous voyez que ce monsieur n'a pas vraiment la tête d'un enfant. C'est un Burundais de 50 ans bien tassé. Ce monsieur est agriculteur et éleveur. Et il a participé à notre programme d'alphabétisation des adultes. Et là, c'est le jour de sa remise de diplôme. Il s'est fait prêter un beau costume et il fait un discours pour parler de son programme. Il dit « Voilà, ça fait plus de 40 ans que je suis agriculteur, éleveur. Ça fait plus de 40 ans que j'ai faim et que mon activité ne me rapporte pas. Au programme d'éducation, j'ai appris à lire en lisant du Proust, du Zola et du Beaumarchais. Non, pas du tout. J'ai appris à lire en lisant des livres d'agriculture et d'élevage. Donc non seulement j'apprends à lire, mais en plus j'apprends des techniques qui sont utiles pour moi. J'ai appliqué ces techniques. Cette année est la première année où je n'ai pas faim et où je fais du bénéfice. Et donc, je souhaite que tout le Burundi désormais soit alphabétisé. » Et quand il a déclaré ça, sa remise de diplôme, je vous assure qu'il y a eu tout le monde qui s'est mis à applaudir et à le soutenir. Un an de cours, ça a coûté 100 euros, ça a transformé sa vie. Grain de sel agronomie, je vous l'ai dit, 80%. Des gens qui ont faim aujourd'hui sont des gens qui cultivent la terre. Si vous avez un chef de village qui nous a contacté en disant « Dans 2 ans, le village déménage. » Parce que les terres autour du village sont mortes. On ne peut plus les cultiver. Et je ne sais pas où on va aller pour trouver des bonnes terres pour pouvoir manger. On a fait une étude agronomique. Et on s'est rendu compte qu'ils étaient tombés dans le miroir aux alouettes de certaines grandes sociétés. Prenez nos semences et nos produits et tout ira bien, vous cultiverez super bien. En fait, ça a tué le sol. Et il n'y avait plus rien qui poussait. Nous leur avons réappris des techniques locales de chez eux, mais qu'ils avaient oubliées.
comme le fumage du sol. Et pour ne pas que cette bonne terre parte lorsqu'il pleut et qu'il y ait l'érosion, la technique du zaï, où on empile des pierres en demi-lune pour garder les bonnes terres pour qu'elles ne partent pas. Il nous a contactés il y a un peu plus de 9 mois maintenant pour nous dire que cette année, ils exploitaient des terres qui n'avaient plus été exploitées depuis 10 ans. Qu'il y a 2 ans, c'est fini, le village avait assez à manger et qu'il ne parle vraiment plus de partir. Que les chefs des villages avoisinants viennent le voir et disent « on ne comprend pas, notre maïs, il est là ». Le tien, il est là. Comment tu fais? Et donc, ce qu'il a reçu comme savoir, il peut le communiquer à d'autres. Grain de sel haut. Ici, c'est une photo, je pense qu'elle est à Douzi. On nous a contactés en disant, les enfants ne vont pas à l'école, il y a un problème. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour qu'ils aillent à l'école? On vous dit ça, vous pensez cahier, bic, construction d'école, etc. Ce qu'on a vu, c'est qu'il y a beaucoup de maladies hydriques, donc des maladies dues à la consommation d'eau impropre, et que les enfants ou les mamans devaient marcher 6 km pour aller chercher de l'eau et puis revenir avec l'eau. Alors quand je fais des présentations dans les écoles, je dis aux élèves, imaginez, vous vous levez le matin, vous devez prendre 2 bidons de 20 litres, vous allez chercher de l'eau, vous revenez avec vos 2 bidons de 20 litres sur 6 km, vous les posez, puis vous allez à l'école, vous n'avez toujours pas mangé, parce que vous mangerez peut-être le soir, et vous avez cours de néerlandais. Et là on voit des visages qui changent. Et puis de maths. Et puis de physique, non, on n'y va pas. Ben oui. On a fait un forage, on a fait une étude, il y avait une nappe phréatique à 60 mètres de profondeur, on a fait un forage avec filtre à sable, il est au milieu du village. Donc, les enfants, si c'est eux qui sont corvés d'eau, ils y vont, ils prennent l'eau, hop, c'est chez maman. Si c'est les mamans qui vont chercher l'eau, ben, elles n'ont pas 12 km à marcher, elles peuvent donc travailler au champ. Les enfants vont donc à l'école. Puisque c'est de l'eau filtrée, ils ne tombent plus malades, donc on n'a pas de frais médicaux, on a une diminution de 80% des maladies hydriques grâce à ce puits. Ils doivent plus perdre du temps, les mamans perdent plus du temps, donc elles peuvent aller au champ, peuvent travailler à la maison, donc les enfants peuvent aller à l'école, et donc grâce à ce puits, c'est toute la société qui s'élève. Ça, ce sont des projets historiques. Le village Imuira au Burundi, il n'y avait rien sur cette colline quand on est arrivé. Maintenant, on a une mielerie, on a une école pour apprendre l'élevage porcin, on a une menuiserie, on a une école primaire qui est chaque année classée parmi les 4 meilleures du pays, qui est en lien avec une université du Burundi, qui est aussi une université chrétienne, qui, elle, truste la première place depuis des années. Vraiment un gros centre de développement. Ici, vous avez un tutorat en Inde, à Rewari, qui est à l'ouest de Delhi, où c'est l'école après l'école. C'est des enfants qui ne peuvent pas aller à l'école. Ils viennent dans ce tutorat. Et il y a d'autres jeunes, c'est supervisé par un enseignant, mais il y a d'autres jeunes qui, eux, vont à l'école, qui viennent leur donner des cours, qui leur permettent d'apprendre des choses. Et avec cela, ils passent un diplôme équivalent à notre jury central. Vraiment pour les sortir de la misère. On paye le bâtiment, on paye le matériel scolaire, parfois même un pull ou une couverture pour l'hiver, des choses comme ça. Ça, c'est Rewari. Sur la dia suivante, vous avez Tinnaabi, c'est une école pour sourds au Burkina Faso. Pierre Malo, qui est là derrière, ce gars est exceptionnel. Il a appris le langage des signes, parce qu'il a vu qu'il y avait des sourds dans son entourage. Il a communiqué avec eux. Il s'est dit, il faut que ces gens aient droit à une éducation, parce que dans sa culture, les gens qui ont un handicap, ils sont maudits, ils ont le mauvais œil sur eux, il ne faut pas trop les approcher, pas trop les toucher, parce que ça pourrait être contagieux, on ne sait pas. Donc, il a créé une école pour ces sourds. Il est le directeur, le balayeur, l'instituteur, il fait tout, tout seul dans cette école. Et puis il s'est rendu compte que ces sourds venaient de très loin, donc que certains ne venaient qu'un ou deux jours par semaine à l'école. Donc il a dit, toi tu viens trop loin, je vais te loger chez moi. Ah oui, mais il y a toi aussi, je vais te loger chez moi. Aujourd'hui il en a 15 qui logent chez lui. Et donc on soutient son projet là, de cette école pour sourds. Il est dans l'est du Burkina, on peut vraiment prier pour lui. Parce que vous savez qu'au nord du Burkina pour l'instant, venant du Mali et du Niger, on a Boko Haram qui fait beaucoup de ravages. C'est le couvre-feu. À partir de 19h, vous n'avez plus le droit d'être en rue. Et si jamais l'armée passe à ce moment-là, elle pourrait tirer à vue. Donc, ils sont dans une situation vraiment difficile. Agir futé, ça c'est à Madagascar. Ce sont des AGR, donc activités génératrices de revenus. On aide les parents à trouver des activités qui peuvent les financer. Et là, notamment, c'est un travail de pisciculture que nous réalisons pour l'instant avec la MIDEM à Madagascar. On peut passer à la diapositive. Donc voilà, l'idée c'est toujours de faire le bien, mais de bien le faire. Je vous ai parlé des enfants tout à l'heure, on aurait pu envoyer 10 000 cahiers et 50 000 bics, ça n'aurait servi à rien, ils auraient toujours été malades, ils auraient toujours été chercher de l'eau, ils n'auraient pas été à l'école. Chaque fois avec des partenaires locaux, c'est eux qui sont à l'origine du projet, nous définissons le projet avec eux, et puis nous les accompagnons de A à Z, nous les suivons vraiment précisément,
pour être sûr que ce projet aboutit bien, que l'argent n'est pas détourné, etc. Le premier projet, c'est 5000 euros maximum. Comme ça, on teste le partenaire. Si ça va bien, on passe à un deuxième partenariat, etc. Et puis, par exemple, Prodida, ceux avec qui on creuse les puits. Maintenant, quand Prodida nous propose un puits, on y va, parce qu'on sait que ce partenaire est vraiment fiable et qu'il fonctionne vraiment bien. Notre responsable projet, vous le trouvez en photo sur notre journal, c'est un ancien colonel de l'armée belge qui s'est converti après sa pension, qui était responsable des projets de développement de l'armée belge attaché au ministre à l'OTAN. Donc si vous vous demandez si on a des gens compétents chez nous, oui. Et on suit nos projets. Projet de développement, on peut penser à beaucoup de choses. Je ne sais pas ce qui vous vient en tête quand vous pensez à un projet de développement. En voici un exemple avec une vidéo. Normalement, il y a du son. Ce matin, au premier culte, c'est passé. Le son passait. Il doit y avoir du son avec la vidéo. Donc, au niveau... Le son passait ce matin, donc... Ce serait dommage que vous n'entendiez pas notre partenaire donner des explications. Donc, on parle des projets de développement, on pense souvent au développement, aller construire un hôpital, aller construire un centre de santé, construire une école. Le son passe. Et donc là, vous montrez que parfois quand on parle de développement, on doit vraiment changer notre manière de penser. C'est pour ça que nous sommes très heureux de toujours travailler avec des partenaires locaux. Ce sont eux qui nous disent « on a besoin de ça ». Bien sûr, on va vérifier, on va suivre, mais très souvent, ils savent mieux que nous ce dont ils ont besoin. Je témoignais par exemple dans l'entre-deux cultes d'un... Dans un village sans latrine, les gens défèquent dans les champs. Les gens défèquent dans la ruche. Alors quand il pleut, l'eau de ruissellement ramasse tous ces déchets et les entasse dans une rivière que les gens utilisent. Et là, nous savons que dans des endroits humides, les microbes se développent vite. Quand on défèque, il n'y a pas de latrine, les mouches peuvent aller se poser et venir infecter la nourriture. Et pour ça, il y a le projet de l'armée. Quand les enfants vont, ils sortent, ils lavent les mains. Dans un village, dans le Moyen-Orient, on était allé, il y avait la villageuse. C'est une maladie qui se contacte par contact de vous. On est allé voir le ministère de la Santé qui a accepté de nous envoyer quelques médecins avec des microscopes qu'on a amenés au village. Et les villageois à la queue levée passaient pour voir. Et c'est quand ils voyaient des vers que certains se sont dit « Ah, c'est vrai ce que les gens d'association viennent nous dire. » Et petit à petit, les gens ont commencé à prendre conscience. Parrainage d'enfants, c'est peut-être le projet pour lequel nous sommes le plus connus, ça représente 50% de notre activité. C'est une aide
concrète aux enfants défavorisés. On me pose souvent la question, quel est votre critère de sélection? Nous sélectionnons les plus pauvres parmi les plus pauvres. Point. Nous travaillons essentiellement à Madagascar. Nous fournissons l'accès à l'école, donc nous payons les frais scolaires, nous payons le matériel scolaire, nous payons l'uniforme scolaire très souvent qu'il y a là-bas. Un suivi alimentaire, c'est-à-dire qu'à Madagascar en tout cas, les enfants ont un repas complet par jour minimum. Les soins médicaux pour l'enfant, l'encadrement en vue de les aider à sortir de la misère et bâtir un avenir, c'est-à-dire que le samedi, ils se retrouvent au centre. On a le suivi scolaire pour voir s'ils n'ont pas des retards. On a des ateliers pour les former, par exemple à la couture, ou à la menuiserie ou à la mécanique, pour qu'ils puissent se débrouiller dans certaines choses si jamais ils échouent à l'école. Et on a un enseignement biblique, toujours avec l'accord des parents, mais les parents savent que l'enfant parrainé aura un enseignement biblique, que les parents soient chrétiens ou pas, dans le centre. Tout cela coûte une fortune, bien évidemment, et donc il faut le financer, parce qu'en plus, avec le parrainage, nous finançons l'échange, le courrier régulier avec l'enfant, c'est-à-dire que vous ne parrainez pas un enfant quelque part. Vous parrainez cet enfant-là, à cet endroit-là, auquel vous pouvez écrire, qui vous écrira, qui vous répondra. Alors parfois, des parrains sont déçus du contenu de la lettre de réponse de l'enfant, mais je dis toujours, bah oui, votre filleule, il a quel âge? 7, 8 ans? Imaginez mon fils de 8 ans, ici en Belgique, et qui serait parrainé par un Australien, il doit écrire à cet Australien, donc il ne connaît rien de la vie, et il doit lui raconter des choses. Et bien même si ce parrain lui écrit en lui disant « qu'est-ce que tu fais ?» et lui a posé des questions, la lettre de retour risque bien d'être « il fait beau aujourd'hui, j'ai bien travaillé à l'école, on a mangé des bananes à midi, c'était bon et je vais jouer au foot avec mes copains, merci pour ton soutien. » Oui, même mon fils ici qui a une éducation qui est quand même d'un niveau supérieur, parce que je suis dans ce pays-ci, à celle qu'ils reçoivent là-bas. Ce qui est impressionnant, c'est la prière dans les deux sens. Le premier témoignage des enfants parrainés, c'est de dire « moi je suis pauvre. Je suis dans un lieu pauvre, je n'ai pas d'éducation, donc je ne vaux rien, je ne suis rien. » Et tout d'un coup, il y a un occidental qui est prêt à investir de l'argent chaque mois pour que moi, j'aie à l'école, pour que moi, je sois formé. Mais il y a une estime de soi qui remonte, il y a une valeur, ils sont enfin conscients qu'ils ont de la valeur, et c'est la première chose qui passe dans les lettres. Et du coup, vous avez des lettres du genre... « Ah, mais dans ta dernière lettre, tu disais que tu avais été malade, j'ai prié pour toi, j'espère que tout va bien et que la vie n'est pas trop dure pour toi. » Et là, tu te dis, mais enfin, il vit dans un bidonville, il est dans la misère, et il espère que la vie pour son parrain occidental n'est pas trop dure. C'est impressionnant. Il y a possibilité d'offrir des cadeaux à ses enfants, etc. Et je le disais, tout cela coûte évidemment une fortune, puisque nous faisons tout cela pour 30 euros par mois, en plus déductible fiscalement. Donc à la sortie, ça vous coûte 16,50 €, puisque c'est déductible comme les chèques emploi que vous utilisez pour une femme d'ouvrage ou autre. Avec 30 € par mois, on assure les frais de scolarité, les soins de santé, le repas et le club. 1 € par jour. Je dis parfois, il y en a certains qui ont l'habitude de boire un café au Starbucks en allant au boulot, ben, ça leur coûte plus cher que de faire vivre un gamin comme ça. Pour 37 €, vous avez le parrainage plus qui... finance des projets collectifs, par exemple à l'école de laïque pour la lecture de la Bible. Chaque année, ils emmènent ces enfants qui sont dans une banlieue pauvre du nord de la capitale en camp, sur la côte de l'océan Indien, qui n'est jamais qu'à 50 km de chez eux, mais que les enfants n'ont jamais vu et ne verront jamais. Et donc, ils vont passer 10 jours là, ils découvrent des animaux qu'il y a sur leur île, qu'ils ne connaissent pas, etc. On leur sort de leur milieu de misère. Mais avec 7 € par mois, on peut financer tout cela. L'idée est toujours de revenir à Jérémie, à cette justice sociale, et je veux vous donner un avenir espéré. Dieu qui nous dit, vous avez tellement de valeur pour moi, que je suis prêt à ce que mon fils vienne mourir pour vous. Jésus était prêt à aller à la croix pour nous, parce que nous avions de la valeur à ses yeux. Le parrainage, à notre niveau, c'est dire la même chose à un enfant. Tu as assez de valeur pour que j'investisse, même si la situation est désespérée. Et on va voir une vidéo qui va vous montrer des chiffres. Ces chiffres, ce n'est pas nous qui les avons sortis, c'est l'université de Stanford qui a fait une étude, et elle a fait de manière générale, c'est-à-dire que les pourcentages, c'est comparé au pourcentage national. Ce n'est pas comparé à des plus pauvres parmi les plus pauvres qu'on compare à d'autres plus pauvres parmi les plus pauvres. Et vous allez voir que le parrainage, ça marche. On peut lancer la vidéo, là aussi il y a du son.
chose n'est pas important, c'est juste une musique qui... Le parrainage, ça marche. Et on a des vies transformées pour finalement bien peu. À partir du moment où vous faites un don, c'est le projet, que ce soit un don régulier chaque mois ou un don ponctuel, s'il dépasse 40 euros, vous bénéficiez de la déduction fiscale à 45%. Donc en fait, votre don ne vous coûte, dans le meilleur des cas, parce que tout dépend de votre situation fiscale, etc., que 28 euros. Et en fait, les frais de fonctionnement de l'association sont pris en charge par qui finalement ? Mais par l'État belge, puisque nous faisons partie des associations, voire nous sommes l'association belge qui prélève le moins sur les dons pour qu'il y ait le plus possible qui parte sur les gens pour les projets locaux. En pratique, qu'est-ce que ça donne ? Soutenir les actions du CEL, mais vous pouvez faire un don ponctuel, venir me trouver au comptoir à la sortie, ou un don régulier chaque mois avec un ordre permanent. Don général ou désigné, vous pouvez choisir votre projet grain de sel et dire « moi je veux que ce soit pour l'éducation ou pour l'eau » ou bien don général et ça va au projet le plus urgent, celui qui a besoin d'être soutenu. L'organisation d'actions de récolte de fonds, je suis épaté par la créativité qu'on a dans les églises à ce niveau-là. J'ai des églises qui ont organisé des fêtes de Pâques avec un gros repas. Le repas était payant, les bénéfices étaient pour le sel. J'ai une autre église où les jeunes sont des musiciens de très bon niveau. Certains sont même déjà au niveau quasi professionnel, en tout cas des amateurs professionnels, on va dire comme ça. Ils vont organiser un concert de musique country avec des danses country et les bénéfices, ça sera pour le sel. Il y en a qui organisent leur anniversaire au bénéfice du sel. Il y a quelques années, pour mon anniversaire, j'ai dit à mes amis, voilà, je veux que vous m'offriez une maison. Ils m'ont regardé en disant, oui, il est bien celui-là, il rêve. En fait, il y avait une tornade au Burkina et un village qui avait été rasé. Et pour reconstruire les maisons dans ce village, c'était 150 euros la maison. Donc je leur ai dit, voilà, vous ne me faites pas de cadeau, mais vous me construisez une maison au Burkina. Et donc, il y a une maison qui a été construite au Burkina. Il y a des locataires qui sont dedans, mais finalement, ce sont devenus les propriétaires de cette maison, bien entendu. Devenir parrain, on peut parler du parrainage à la sortie, ou nous faire rencontrer des donateurs, des mécènes. La Belgique, le nombre de millionnaires en Belgique n'arrête pas d'augmenter. Donc, si vous en connaissez un, que vous le rencontrez, qui veut se délester de quelques milliers d'euros, voire d'un million, il n'y a pas de problème, je suis preneur. Hein. Les 5 euros sont les bienvenus, mais les millions aussi. La dia suivante. Donc voilà, il y a divers moyens de s'engager. Vous pouvez venir discuter avec moi à la sortie du culte chez le stand, là vous l'avez vu en rentrant. J'ai toutes les informations nécessaires pour tous les domaines d'engagement que nous avons au sein du CEL. Je peux vous donner de la documentation, vous pouvez vous engager immédiatement aussi. Pour ceux qui n'auraient pas d'héritier direct, il y a quelque chose qui existe qui s'appelle le LEC en duo. Si vous voulez faire hériter un ami, un filleul ou autre qui n'est pas en lien direct, vous savez que c'est très fortement taxé. Si vous faites le LEC en duo, sa part à lui ne sera quasiment pas taxée. Et une autre part qui nous reviendra, nous payons les frais. Mais cela permet que votre... Allez, pourtant, j'ai changé la police entre les deux cultes. Mais bon. Ça paye le... On paye les frais. Votre héritier hérite plus. Et en plus, il y a un don pour l'association.
C'était les décors du hall. Là aussi, j'avais changé entre les deux pubs, mais c'est pas passé. C'est pas grave. Avant, vous avez vu une dia pour être délégué du CEL Projet. Dans toutes les églises, je cherche à avoir un délégué du CEL Projet. Les conditions: être validé par les responsables de votre église, parce que je veux pas de piratage dans les églises. Donc, il faut que vous ayez l'autorisation dans votre église. Avoir un email. Et si vous avez cet email, toutes les 6 semaines environ, vous recevrez un montage PowerPoint avec des écritures qui passent. Vous recevrez une affiche que vous pouvez imprimer, vous recevrez une annonce, et puis vous en faites ce que vous voulez. Soit vous mettez juste l'affiche, soit vous faites une annonce au culte qui permet d'informer votre église sur la situation du CEL Projet. On peut passer à la dia suivante. Voilà, ça c'est le délégué. On peut passer à la dia suivante. Tout cela, bien sûr, ça saute à l'évidence pour nous. C'est un témoignage puissant de l'amour de Dieu là-bas. Oui, parce que là-bas, on sait que c'est fait par des associations chrétiennes. Mais aussi, c'est un témoignage puissant de l'amour de Dieu ici, parce que les non-chrétiens regardent comment nous vivons. Ils regardent si, comme le dit Jérémie au roi, si ce que tu dis croire, ça change ta manière de vivre, ou bien si c'est juste un discours, si c'est juste pour faire beau, si c'est juste de la façade. J'ai travaillé comme étudiant à Coquille-Sambre, grâce à mon père, et le choc lors d'une pause, on a commencé à 6h du matin, on fait la pause à 9h pour boire un café, et puis ça discute. Et comme je dis toujours, si vous discutez avec moi, vous saurez très vite que je suis supporter du Standard de Liège et chrétien, parce que les deux font partie de ma vie, et que ça va sortir naturellement. Et donc quand je dis que je suis chrétien, premier, ouais, tu donnes toi le dimanche? Ben oui. La première réaction, ouais, tu sais pas si le pasteur il va pas le boire à la sortie. Je dis non, je le sais, il va pas le boire. T'es sûr? Ben oui, je suis sûr. C'est ça, ils sont revenus, les autres étudiants qui travaillaient avec moi, ils sont revenus pendant ce mois de travail d'étudiant au moment où parler. Mais t'es sérieux? Tu le fais vraiment? Ben oui. Ah ouais, donc, ce que tu crois, c'est vraiment quelque chose d'important pour toi. En règle générale, dans notre monde, si vous donnez des sous, c'est que c'est important. Et donc oui, c'est un témoignage de l'amour de Dieu ici aussi. C'est une porte d'entrée aussi pour témoigner. Alors je vous rappelle, Myria, vous souvenez de sa situation? Qu'est-ce qu'on fait pour elle? C'est ma filleule. Elle est à l'école de la Ligue pour la lecture de la Bible. Sanchez, il est dans un de nos tutorats. Et ses enfants congolais, on creusait puits pour l'instant. Puis là, on a 2 autres projets qui vont, on l'espère, s'ouvrir au Congo, dont un avec le docteur Mukwege, prix Nobel de la paix, et aussi chrétien engagé. On ne va pas changer le monde. Ni vous, ni moi, nous n'en avons la capacité. Mais on peut changer le monde d'un enfant, un à la fois. Et on peut transformer leur existence. Donc, n'hésitez pas à venir m'en parler à la sortie. Je suis au comptoir, je peux tout vous présenter, le parrainage, les dons ponctuels ou réguliers. Et venez, ne fût-ce que pour prendre le dernier numéro de notre journal, comme je suis à Liège, j'en profite. Récemment, Paul-José Mpoku, ceux qui suivent le foot, ils savent qui c'est, capitaine du Standard de Liège, est devenu un de nos parrains. Il parraine une petite fille via le CEL Projet, et donc j'ai eu le privilège de pouvoir aller chez lui et de l'interviewer. Et j'ai choisi comme titre de l'article une punchline qui nous a sorti très vite quand on était là. Je suis chrétien avant d'être footballeur, même si parfois je déconne. Je reprends ces mots. Sois tout son.